Ivoirienne, bonjour. Africaine, africaine, bonjour. J'ai essayé de faire un direct sur ma page. J'ai essayé de faire un direct sur une de mes pages conteuses là, mais je n'ai pas réussi à la faire. En tout cas, je n'ai pas su, je n'ai pas su manipuler la technologie là. Donc, je suis revenu maintenant sur mon compte personnel pour faire mon direct de compte là. Et sur suggestion de Okosisi Baba Nicolo, qui avait suggéré que le 11 avril, on se mette en orange. Ben moi, je n'avais pas pu cette semaine. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Je n'ai pas été sur Facebook à part le lundi. Et donc, c'est aujourd'hui que je fais ma journée hommage le 11 avril, qui a été une journée très triste pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Le fait d'être loin de son pays, c'est très difficile à supporter quand on vit ce genre de situation-là. Et nous espérons de tout cœur que plus jamais ce genre de choses n'arriveront en Côte d'Ivoire. Je m'incline devant les dépouilles de tous ceux qui ont perdu la vie dans cette crise, dans tout ce qui est arrivé de mal à la Côte d'Ivoire, tous ceux qui n'ont pas été retrouvés, qui n'ont pas eu de sépulture jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces familles qui n'ont jamais retrouvé le corps de leurs membres, je m'incline et je vous apporte toute ma compassion, toute ma sympathie et tout mon amour que j'ai pour vous en tant que peuple de mon pays et surtout à toi aussi, mon pays, la Côte d'Ivoire. Plus jamais de 11 avril en Côte d'Ivoire, mais que cette date-là entre dans les annales de notre pays pour que ça soit un jour de souvenir. Alors aujourd'hui, je vais voyager avec vous dans le recueil de contes de feu Bernard Belin-Dadier. Je vais vous raconter un de ses contes. Mais avant ça, on va écouter une chanson de Feu Tanti Oussou, une dame qui a marqué la musique ivoirienne et qui a été PCA du Burida à un moment donné. Nous sommes beaucoup nostalgiques, nous qui avons dépassé 40 ans là. On espère que la Côte d'Ivoire va redevenir comme celle qu'elle était. C'est sûr qu'elle ne peut pas redevenir exactement celle qu'elle a toujours été, mais on espère qu'on va pouvoir vivre un jour encore. Mais c'est nous, les Ivoiriens, c'est dans l'union, dans la solidarité que nous allons pouvoir retrouver le pays que nous avions. Ce ne sont pas les hommes politiques qui vont nous ramener ce que nous avions. Ce ne sont pas les hommes religieux qui vont nous ramener ce que nous avions, mais c'est nous, les Ivoiriens, qui devons mettre toutes nos considérations politiciennes, partisanes, religieuses de côté pour que nous puissions marcher main dans la main, pour retrouver le pays que nous avions, pour que nous puissions faire la politique de façon aisée, pour que nous puissions pratiquer nos religions comme nous le souhaitons. Alors c'est parti pour écouter Zegbero de Tanti Wissou. Oh, mon téléphone est tombé. Avant, au Côte d'Ivoire était doux là. Habituellement, je fais les vidéos avant de vous poster, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un direct pour que vous puissiez suivre en même temps l'histoire en live, en direct, comme on dit. Mmh.
Bon, je vais mettre un petit. Je vais suspendre la musique un peu et puis on va entrer dans le conte. Eh, doux était doux, oh, doux était doux, oh, doux était doux. Mais on a la possibilité de faire en sorte que ça redevienne comme avant, hein. Pas exactement, mais la balle est dans notre camp, nous les Ivoiriens. Et tous ceux qui ont choisi de vivre en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les hommes politiques qui vont nous amener. Ce n'est pas les religieux, c'est nous-mêmes. Parce que avant d'être. D'avoir un parti politique ou bien avant d'avoir une religion, on est d'abord natif d'un endroit. Et si dans cet endroit-là, il n'y a pas la paix, on ne peut pas pratiquer notre religion, on ne peut pas faire notre politique. Alors c'est parti avec l'histoire que j'ai tirée du recueil de contes Le Pagne Noir de Bernard Dadier. Je profite en même temps de l'occasion pour lui rendre un vibrant hommage. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à la culture ivoirienne, qui a apporté beaucoup à la politique ivoirienne, qui a apporté beaucoup à l'intellect ivoirien. Donc, c'est l'histoire d'un chasseur qui, depuis un moment, n'arrivait pas à capturer le plus petit animal qui soit. Il est allé déposer ses pièges dans la savane. C'est sur la branche même de son piège, là même que les rats palmistes, les agoutis venaient jouer. Il a pris le piège, il allait déposer dans la montagne. Aucun animal. Il est allé dans la forêt. Aucun animal. Au pied du baobab, il a placé son piège partout. Mais il n'arrivait même pas à capturer le plus petit maguia qui soit. Et il était très pauvre. Un jour, il s'est dit, bon, je vais aller déposer mon piège au bord du fleuve. Comme c'est là que les animaux viennent boire, peut-être qu'il y a un animal qui va se laisser prendre. Et donc, il allait déposer son piège au bord du fleuve. Un jour, 2 jours. Et un jour, il arrive, il voit un boa qui s'est laissé prendre. Quelle joie! Imaginez sa joie. Ça faisait des jours et des jours, des semaines, qu'il n'arrivait même pas à capturer même un maguia. Alors, au moment où il s'apprêtait à trancher la tête du boa, celui-ci lui dit, s'il te plaît, ne me tue pas. Il dit oui. Si tu me laisses la vie sauve, je vais faire de toi l'homme le plus riche de la terre. Là, le gars, il était là. Quoi, moi, je viens d'avoir mon gros morceau, mon gros boa comme ça, je vais découper, découper, je vais fumer, je vais vendre. Le boa dit, si tu ne me tues pas. Tu vas te rendre riche. Tu choisis la vie riche ou tu choisis la misère. Tu choisis le bonheur ou tu choisis le malheur. Dis oui, mais si je ne te tue pas, qui me dit que quand je vais te libérer, là, tu vas pas m'attaquer? Il dit, je ne le ferai pas. Je suis un animal de parole. Nous, les animaux, là, nous avons une seule parole. C'est vous, les êtres humains, qui n'avez pas une seule parole. C'est vous les êtres humains qui plantez le couteau dans le dos de vos frères ou de vos sœurs. Nous les animaux, on ne fait pas ça. Si tu me libères, j'ai une seule parole. Je vais te donner ce que je t'ai dit. Tu vas être le plus riche de la terre. Ouais, mais il y a des boas qui ont tué des gens. Il dit, je dis, tu as le choix. Soit tu me tues, tu restes pauvre, ou bien tu me libères. Et tu deviens le plus riche. Si tu me libères, tu n'as rien à perdre dans tous les cas, tu as beaucoup à gagner. Si tu me tues, tu vas manger ma chair, tu vas la vendre peut-être, mais tu vas rester toujours pauvre. Si tu me libères, que même je ne te donne pas la richesse, tu auras au moins la vie. Vraiment ça là. Le gars, il réfléchit comme ça, il voit les morceaux de serpent fumé de. Oh. Entend aussi là, il voit sa situation. Ok, finalement il décide de sauver de laisser la vie sauve au bois. Le bois dit merci beaucoup. Parce que là où c'était arrivé là, le bois commençait à perdre l'oxygène, donc ses yeux avaient commencé à devenir rouges. Il dit bon, je te libère. Donc il a libéré le bois. Le bois dit suis-moi. Et il a suivi le bois. Ils ont marché, 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 marché. Et ils sont arrivés dans un endroit. C'était comme une forêt de génie là. C'était différent de ce qu'il avait l'habitude de voir. Les feuilles même là, on avait l'impression même que les feuilles parlaient. Les montagnes, tout était différent. Donc il a suivi le boa. Et finalement, ils sont arrivés dans le village des boas. Un village où il n'y avait que des boas. Il n'avait jamais vu ça.
petit, gros, jaune, vert, rouge, toutes sortes de présentations de bois. Et le bois l'a envoyé dans sa maison. Et il lui a donné deux gourdes. Combien de temps ça a pris? 1 an, 10 ans, 1 000 ans? On ne saurait le dire. Le bois lui a donné deux gourdes. Il dit, pour te remercier de m'avoir laissé la vie sauve et pour respecter ma parole, ce qui est le contraire de vous, les êtres humains, je te donne deux gourdes. Celle qui est là, là, que tu as dans la main gauche, dès que tu arrives dans ton village, tu la prises et tu verras ce que tu vas voir. Celle-là que tu as dans la main droite, quand tu arrives, tu ne la brises pas, tu la gardes avec toi. Elle va te permettre de comprendre le langage de tout ce qui est vivant. Ah, le monsieur a pris. Il dit merci beaucoup. Il dit, c'est moi qui te remercie de m'avoir laissé la vie sauve. Rien ne vaut la vie, hein? Ok. Donc le monsieur, il retourne dans son village. Il court comme ça, tellement il a envie de s'envoler même pour arriver dans son village. Il court. Finalement, il arrive chez lui. Première des choses à faire là, bon! Il casse la première calebasse, celle qu'il avait dans la main gauche. Qu'est-ce qu'il voit? Un château qui sort du sol, avec des hectares de plantations, des animaux. Bon, en tout cas, c'est un conte, hein? Tout est dedans déjà. Il rentre dans son château comme ça, dans sa chambre là. Des trucs. Il y a une salle même spéciale pour des lingots d'or qui sont superposés. Il dit, hé, si j'avais écouté ma famine là, si j'avais écouté ma faim, si j'avais écouté mon seulement demain, est-ce que j'allais avoir tout ça? Je suis content d'avoir fait confiance au serpent. Bon, c'est sûr que rien ne garantissait qu'il allait avoir rien ne garantissait qu'il allait avoir ce que le bois avait annoncé. Mais bon. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. Un jour, il avait un chien avec lui. Et ce chien-là avait un ami, un chien galeux qui n'avait pas de maître. Donc lui, toujours quand il s'asseyait, quand il prenait un peu d'air frais, le chien venait se mettre à ses pieds, sous son hamac, ou bien sur sa chaise pliante là. Et ce jour-là, le chien galeux est venu. Et les deux animaux étaient en train de causer. Entre-temps, souvenez-vous que je vous ai dit que le bois lui a donné une deuxième gourde qui lui permettrait de comprendre le langage de tout ce qui est vivant. Donc les deux chiens causent. Donc, oui, le bois a récompensé le monsieur pour avoir préservé sa vie. Il lui a donné deux gourdes. Dans une gourde, quand il a cassé, quand il est arrivé chez lui, il a cassé. Il a pu avoir un château où il y avait toutes les richesses dedans. Puis la deuxième gourde, elle lui permettrait de comprendre le langage de tout ce qui est vivant. Donc les deux chiens sont en train de causer. Et puis le chien galeux dit au chien du chasseur. Il dit, mais il va avoir une grande famine qui arrive, hein? Une grande famine même. Donc celui qui est malin, là, il n'a qu'à acheter des trucs pour garder en même temps. Il va vendre ça quand la famine va passer. Donc le chien du propriétaire du chasseur, il dit, mais c'est qui écoute ce que tu es en train de dire là? Nous, on est en train de nous causer ici entre nous deux là. Qui va entendre ça? Il dit, ah, moi, en tout cas, moi j'ai dit, hein. Le monsieur, c'est pas entré dans les oreilles de sourd, hein. Il allait acheter des tas, des tonnes et des tonnes de maïs, de riz, d'igname, tout ce qu'on était capable de garder longtemps là. Il a acheté beaucoup comme ça, il a conçu un hangar, il a tout stocké. Et effectivement, la famine est arrivée quelques mois plus tard. Et lui, il était serein. Et il a vendu tout ce qu'il avait. Et le chien galeux là, lui, il avait dit que l'être humain, il aime profiter du malheur des autres. Donc, on va considérer que le chasseur a profité du malheur des autres. Mais on ne peut pas dire ça dans un certain sens aussi. Donc, il a vendu les denrées, là, tout ce qu'il avait stocké, là, il a vendu ça. Et puis, la période de famine est passée. Le temps a passé, le temps a passé. Un jour encore, le même chien galeux revient. Il dit, ah, il y a une maladie qui va venir, là, qui va attaquer seulement les jeunes filles. Son ami l'a dit, ça c'est quelle maladie ça? Il dit, ah mon cher, c'est ça, hein? Moi je suis allé quelque part là-bas, j'ai entendu ça. La maladie là va s'attaquer seulement aux jeunes filles. Donc, ton patron là, j'ai l'impression qu'il comprend ce qu'on dit.
Mais comment est-ce qu'il comprend ce qu'on dit? Dis, mais l'autre fois, quand je t'ai parlé de la famine, tu n'as pas vu qu'il allait acheter plein de trucs pour garder? Tu n'as pas remarqué? Et j'ai vu, mais ah, peut-être qu'il a le flair. Tu sais, il y a des gens qui sont prévoyants. Hein? C'est que moi, j'ai dit, il y a une maladie qui arrive, ça va attaquer seulement les jeunes filles. Mais c'est seulement les jeunes filles de cette rive où on est, de l'autre côté du fleuve, là. Celles qui sont là-bas, là, elles n'auront rien. Qu'est-ce que notre monsieur fait, à votre avis? Pouf, il court, il va là-bas, il construit une maison et puis il déménage avec sa famille là-bas. Effectivement, la maladie arrive, ça décime toutes les jeunes filles du village. Seulement les jeunes filles. Après, il revient. Et puis, ce sont ces filles qui sont à marier. Donc, il les donne à des gens, des seigneurs, à des gens qui sont un peu partout, qui sont riches là. Donc, il redevient encore plus riche qu'il n'était. Hein? Merci au bois. Hein? Je vais vous faire écouter encore un peu la chanson de Tanti Oussou. Hein? Et puis, on va avancer un peu. Le bon vieux temps. Hein? En tout cas, donc le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il déménage avec sa famille, il revient après l'épidémie là, et il marie ses filles, il fait marier ses filles partout. Le chien revient encore une autre fois. Il dit là, il va avoir un incendie. Le monsieur, il fait la même affaire. Il déménage ses affaires l'autre côté là-bas. L'incendie brûle le village. Ensuite, une inondation. Il quitte même le coin, même complètement, même. Il s'en va loin, 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 loin. Après l'inondation, il revient. Parce que je ne vais pas chaque fois expliquer, expliquer. Là, maintenant, les deux chiens étaient convaincus que le gars, là, il comprenait leur langage. Les années passent. Ça fait maintenant 20 ans qu'il avait sauvé la vie au bois. Et il était un gars incontournable, le plus riche, vraiment, de la planète. Un jour, un matin, 6 heures, le chien galeux revient. Donc maintenant, quand le chien galeux venait là, lui, ça, parce que le chien galeux venait pas comme ça, hein. Quand il a vu le chien galeux, il a dit, ça, là, il y a quelque chose encore qui va venir dire. Donc il allait se mettre dans son hamac et puis lui faisait comme s'il n'y avait rien. Et le chien galeux qui dit à l'autre, mon gars, moi je suis convaincu que ton patron, là, il comprend ce qu'on dit. Il va mourir aujourd'hui. Le gars entend, imaginez, son cœur se coupe. Bouh! Ça, son chien dit, aïe, il va mourir aujourd'hui. Il dit, oui, il va mourir aujourd'hui. Mais il a une alternative. Soit il ramène la goutte qui lui permet de comprendre ce que nous disons là, au bois. Là, en ce moment-là, il ne meurt pas. Mais il redevient plus pauvre qu'il n'était. Ou alors, il décide de rester riche et puis mais il meurt aujourd'hui. Ça, seulement, il n'y a rien à faire. À midi, il rend l'âme. Là, on est le matin, là. C'est maintenant que le monsieur, il sent qu'il va mourir dans quelques heures, là. C'est maintenant il sort, il regarde partout. Il voit que le pays est beau. Il voit que le ciel est bleu. Il entend le chant des oiseaux. Il regarde ses femmes, ça rit. Les enfants courent. Le soleil brille. Il court, il va dans son château. Il va regarder ses lingots d'or, ses pierres précieuses et tout. Je vais mourir pour laisser tout ça là. On vit tous les jours. Mais on oublie d'apprécier ce qu'on a autour de nous, excusez-moi. On est tellement préoccupé par gagner notre pain quotidien. On sort le matin, on va prendre le bus. On n'a même pas le temps de regarder le ciel. On n'a même pas le temps de regarder les fleurs. On n'a même pas le temps d'écouter les oiseaux chanter. C'est pas de notre faute. C'est la vie là qui nous entraîne dans ça. Et maintenant, on dit au gars qu'il va mourir dans quelques heures. C'est maintenant qu'il se rend compte que la vie fait partie de tout ça. Il court, il va dans la chambre là-bas. Il va regarder les trucs. Il touche l'or là. Il touche les pierres précieuses. Hein? Je vais mourir pour laisser ça. Les habits. Il revient dehors. Il regarde. Il ne sait pas quoi faire. Il va, il prend la goutte. Il veut aller donner au bois. Mais si je vais donner au bois, je vais redevenir plus pauvre que je n'étais. Oh, cette vie-là, je n'ai plus envie de la vivre. Mais entre-temps, si je ne donne pas au bois aussi, je vais mourir. Ah! Je vais laisser tout ça là pour mourir.
Donc imaginez le dilemme dans lequel le monsieur était. Pendant ce temps, les deux chiens. Okosisi Baba Nicolo! Bonjour! Je disais tantôt quand j'ai commencé que tu avais donné tu avais fait une suggestion pour que le 11 avril, on se mette en orange. Mais cette semaine-là, je ne sais pas si tu as remarqué, je n'ai pas été sur Facebook parce que j'avais beaucoup de préoccupations, beaucoup de soucis qui ont fait que je n'ai pas pu me connecter. Je n'ai pas pu faire mon hommage à notre pays pour le 11 avril. Et donc, c'est aujourd'hui que j'ai mis ma couleur orange et j'ai demandé aux Ivoiriens, je leur dis que ce ne sont pas les politiques qui vont nous aider, ce ne sont pas les religieux qui vont nous aider, mais c'est nous-mêmes les Ivoiriens. Si nous mettons bas la terre, si nous taisons nos divergences pour penser à notre pays, ça va aller mieux. Donc voilà l'hommage que je rends à notre pays aujourd'hui. Et puis j'ai décidé de faire un compte en direct. Donc imaginez le monsieur dans quoi il était. Il court, il va dans la chambre, il prend la goutte, il la serre contre lui, il la dépose, il veut aller la donner. Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous retourneriez donner la gourde au bois ou bien vous allez rester dans la richesse et mourir à l'intérieur d'elle ou bien à cause de la vie qui est quand même belle, vous allez aller donner la gourde et puis rester pauvre. Voilà le dilemme dans lequel se trouvait ce chasseur-là, ce conte écrit ou transcrit, parce que M. Bernard Dadier, il a pris aussi les contes qui se disaient dans son enfance et tout. Donc je ne peux pas garantir que c'est lui qui a écrit ce conte-là, mais toujours est-il que j'ai tiré le conte de son recueil de nouvelles, Le Pagne Noir. Donc voilà le conte du chasseur qui a sauvé un boa d'une mort certaine, et pour récompenser celui-ci de lui avoir sauvé la vie, le boa lui a donné deux gourdes. La première lui a permis de devenir l'homme le plus riche du monde et la deuxième lui a permis de comprendre le langage de tout ce qui est vivant. Et le fait d'avoir compris, d'avoir entendu, de comprendre le langage des animaux lui a permis de sauver son village d'une famine, enfin il s'est fait de l'argent, de sauver ses filles d'une mort certaine parce qu'il devait avoir une épidémie, de sauver ses biens d'un incendie, de sauver sa vie d'une inondation. Maintenant, la dernière chose, la cinquième, c'était qu'il devait choisir entre rester pauvre, c'est-à-dire remettre la gourde au boa, ou rester riche en gardant cette gourde-là qui lui permettrait de rester riche. Mais en ramenant la gourde au boa, il deviendrait plus pauvre qu'il n'était. Donc voilà le dilemme dans lequel se trouvait ce chasseur-là. Et à la fin du compte, on demande, que feriez-vous à sa place? Je vais vous faire écouter encore une chanson, la même chanson de Tanti Oussou. Yao Kado Ada. Non, aujourd'hui, là, je ne fais pas d'explication. C'est juste un conte comme ça que j'avais envie de partager avec vous. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire comme je fais habituellement. Non, 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 non. Juste un conte, juste comme ça pour vous raconter. S'il y avait une explication, je vous la donnerais. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous faire passer un peu de bon temps avec moi, pour relaxer un peu. Parce qu'on est toujours en train de réfléchir à ce qui se passe dans notre pays. Donc, c'était juste pour vous faire tomber un peu la pression. Voilà. Honneur à la Côte d'Ivoire, notre seul bien. C'est notre seul bien, hein? Sérieux. C'est vrai qu'on vit à l'extérieur, nous autres, mais la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et moi, particulièrement, j'aspire à retourner dans mon pays un jour. Donc, le bonheur, le futur de notre pays est entre nos mains ivoiriens. C'est nous seuls qui allons ramener ça. Si nous taisons nos divergences, c'est sûr que c'est pas facile, mais on n'a qu'un seul pays.
Ah, belle Côte d'Ivoire. Donc voilà le conte que je voulais partager avec vous en direct aujourd'hui. L'histoire d'un chasseur qui est allé à la chasse et puis qui a capturé un boa. Et au moment où il était prêt à tuer le boa lui a demandé de choisir de ne pas le tuer pour qu'il lui permette de devenir riche. Après avoir hésité, le monsieur, il a effectivement laissé la vie sauve au boa et celui-ci lui a donné deux gourdes. Une qui lui a permis de devenir riche et une autre qui lui permettait de comprendre le langage des animaux. Et une fois qu'il a eu la gourde, effectivement, il est devenu riche, très, 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 très riche. Et il a entendu l'ami de son chien causer avec lui et lui dit qu'il devait avoir une famine. Donc, ça lui a permis d'aller acheter plein d'affaires gardées. Et il a vendu après le passage de la sécheresse. Après, il devait avoir une maladie grave qui devait tuer les jeunes filles. Il a mis sa famille à l'abri. Il devait avoir un incendie. Il a mis sa famille à l'abri et c'est bien. Ensuite, il y a eu une inondation qui devait venir. Il a fait la même affaire parce que chaque fois, il entendait le langage des animaux là. La dernière chose que le chien a dite et qu'il a entendue, c'était que soit il remettait la gourde au boa, là, il devenait plus pauvre qu'il n'était, ou bien il gardait la gourde et il mourait ce même jour-là à midi. Voilà le dilemme dans lequel se trouvait le chasseur. Est-ce qu'il fallait redevenir plus pauvre qu'il n'était ou bien mourir riche? C'était la question à la fin du compte. Que feriez-vous à sa place? Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous pour vous permettre de relaxer un peu parce que la situation de notre pays nous préoccupe tous. Si moi, en tant qu'individu, j'avais la solution miracle, il y a longtemps que je l'aurais appliquée pour mon pays, pour que mon pays retrouve ses lettres de noblesse, pour que mon peuple se retrouve comme il était avant. Mais malheureusement, je ne suis qu'un petit maillon dans un petit grain de sable sur une étendue océane. Je n'ai aucun pouvoir, je n'ai pas de bâton magique pour pouvoir ramener la paix dans mon pays. Si je le pouvais, il y a longtemps que je pouvais le faire. Ma façon à moi d'apporter ma pierre à la construction de mon pays, c'est de faire ce que je fais sur Facebook. Apporter des comptes, partager des choses avec vous, essayer d'exhorter les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin, à mettre de côté les divergences pour que nous ne regardions que notre pays. Parce que si on n'a plus de pays, on ne pourra plus faire la politique. Alors voilà ce que j'avais voulu partager avec vous. Moi, en tant qu'individu, si moi j'étais à la place du chasseur, je n'allais pas ramener la gourde. J'allais mourir ce jour-là pour que mes enfants, pour que mes descendants puissent être à l'abri du besoin. Mais c'est sûr que la vie est belle aussi et que rien ne vaut la vie, mais c'est sûr que quand on vit dans la pauvreté extrême, c'est pas facile. Donc voilà, pour mes descendants, je n'aurais pas ramené la gourde. J'allais mourir, j'allais faire le sacrifice pour que mes descendants ne puissent manquer de rien. Donc voilà, bisous, je vous fais un gros bisou et puis je sais pas si vous avez aimé. Une autre fois, on pourrait faire encore un autre direct comme ça et pour que je puisse vous raconter un compte, puis je ne sais pas, est-ce que après certains pourront intervenir. Bon, je sais pas, je ne maîtrise pas trop, trop, trop les affaires du direct là. Donc voilà, c'est ça. Donc je vous fais un gros bisou. Je vous aime très fort. Ceux qui voudront peut-être faire des suggestions, si la prochaine fois on fait ça, le direct, et puis vous intervenez, bon, je ne maîtrise pas trop, trop les affaires du direct là. Alors je vous fais un gros bisou. Je vous aime très fort. Nous n'avons qu'un seul pays, n'oublions pas. Et que le 11 avril devienne un jour de souvenir pour que plus jamais la Côte d'Ivoire ne vive un autre 11 avril. Merci, je vous aime. Bye bye.